Salut à tous, c'est Amis, soyez bienvenus sur ma chaîne YouTube Manga Jimes Gray. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing. Et c'est une vidéo unboxing sur la Mystery Funko Pops de Wonder Woman. Et donc voilà. Donc, je tiens à préciser que j'ai déjà déballé le contenu. Et à l'intérieur, enfin, je vais vous montrer, mais il me manque la Funko Pop parce qu'en fait, j'ai donné à ma soeur, vu que c'est un personnage que ma soeur aime bien. Du coup, j'ai préféré lui donner. Donc, c'est une mystery box qui contient beaucoup de goodies à travers de l'univers ou du personnage. Ça dépend le contenu de la boîte. Donc là, c'est sur du Wonder Woman. Donc, c'est pas sur une spéciale Wonder Woman, c'est plus sur tout ce qui est personnage féminin du DC Comics. Je sais pas si c'est, bon, là, ils mettent le visage de Wonder Woman, mais c'est pas que sur Wonder Woman. Vous allez voir pourquoi. Alors, on se retrouve avec un écusson Batgirl, qui se trouve ici, qui est vraiment classe, et un Pinx Harley Quinn. Donc, en fait, vous voyez directement le contenu de la boîte, vous regardez directement les dessins sur la boîte. Quand vous regardez directement les personnages différents, bon, en fait, ça englobe tout l'univers en fait. Donc là, vu que c'est que les personnages féminins de DC Comics, c'est une boîte spéciale sur les personnages féminins de DC Comics. On se retrouve avec un comics qui se nomme Batgirl, mais on a plusieurs personnages de DC Comics. Hein. On a Raven, on a Supergirl, on a Katana, on a Batgirl et Wonder Woman. Petit comics sympa. Une publicité pour la prochaine box, hein, donc la box vilain de DC Comics. C'est la box que j'ai là, que j'avais déjà fait une petite présentation sur ma chaîne. Hop, on se retrouve avec un t-shirt avec Batgirl dessus. Avec Batgirl, Lady of DC. Alors moi, en fait, il n'y a pas que Batgirl parce qu'il y a Supergirl et Wonder Woman. Tout ça, j'aime le mettre. En plus, on a même les logos qui sont imprimés dessus. Vraiment sympa, ça je vais me le mettre. Donc oui, je vous présente également le contenu de la boîte hein, que je vous montrerai après. On a c'est ce qu'il y a dans la boîte hein, parce que la Funko Pop, j'ai donné à ma soeur comme je vous l'avais dit. Hop, on se retrouve avec un jouet vintage encore. C'est Wonder Woman avec son avion invisible, The Invisible Jet with Mini Retro Wonder Woman. Elle a plutôt de la gueule, hein. Elle est plutôt bien ouais, ici. Et l'avion, en fait, je pensais que c'était un verre, en fait, mais non, c'est pas un verre, c'est un avion qu'on peut vraiment mettre la figurine dedans. Vraiment un jouet vintage et j'ai pas envie de le déballer, en fait. Vu que c'est vintage, ça va prendre de la valeur plus tard. Donc voilà. Donc ça me tient un contenu un peu restreint, mais en fait, je compte, ça contenu comme toutes les boîtes. Hein. Donc à l'intérieur il y avait également la figurine vintage avec l'avion. Vous avez également le t-shirt que je vous ai montré. Donc il y a deux t-shirts en fait. Donc moi j'en ai eu un. Et en fait vous avez soit le t-shirt avec les héros. Donc Wonder Woman, Supergirl, Batgirl. Ou soit le même mais avec les méchants. Donc Harley Quinn, Catwoman et Poison Ivy. Il y avait une Funko Pop de Hound Girl. Donc vu que c'est un personnage que ma soeur elle aime bien, donc, je lui ai donné. Et les cuissons et les pins. Hein. Ouais, c'est un contenu assez sympa quand même. Hein. Franchement, moi j'aime bien, c'est des boîtes qui font vraiment plaisir. Et puis moi, je vous dis à très très bientôt. Allez, salut petit copain.